Bonjour, bonjour, bonjour la team, bonjour les fans, bonjour. Pardon. J'espère que vous allez bien. Bonjour les abeilles, bonjour la TKC, bonjour le reste des teams. Bonjour aux sympathisants, ceux qui me suivent depuis des années, ceux qui viennent de me découvrir, ceux qui font le plaisir de me découvrir. Veuillez partager les lives quand je suis dans cette page et abonnez-vous massivement. Ça, c'est ma... Voilà, désormais, c'est ici qu'on fera les lives parce que cette page aussi, elle est déjà monétisée. Donc, je vous invite à partager surtout les lives et à pomper les cœurs massivement. Voilà, pour ceux qui dorment encore, vous allez écouter le direct après, il n'y a pas de souci. Et nous allons reprendre le rythme de nos lives. Vous savez que c'est les week-ends qu'on peut faire les directs, hein. Voilà, envoyez les cœurs. Pour ceux qui peuvent, les étoiles pour encourager la reine mère. Mais je ne pense pas que cette page est déjà disponible pour les étoiles. Mais vous pouvez continuer à partager. Afin que d'autres personnes puissent écouter la bonne parole de la reine mère de Mafo. Voilà. Toujours combattue et jamais abattue. La Namba Uno, celle qui donne le travail sur les réseaux sociaux. Celle qui donne le work. Qui met les détracteurs au pas. Quand elle appuie que play. Sa baba, elle donne les devoirs en fait. En gros, elle donne les devoirs. Elle donne les devoirs et elle vient corriger après. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonjour Claudia Kiss, Linda Vicky. Bonjour à toi. Vous savez que cette page n'est pas très connue. Il faut continuer, il faut partager et vous abonner massivement. CVMB, bonjour Mafo, bonjour. Voilà, avant de commencer, je dirais, je vais vous donner les nouvelles de la maman. Parce que la maman, c'est une maman star. Maa. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, vous savez qu'elle avait eu un AVC. Et puis, voilà quoi, ça commence à aller tout doucement. Elle a eu depuis l'Afrique. Et voilà quoi, des fois, elle rechute encore. Donc, elle est hospitalisée, ça se passe bien. Moi, sa fille unique, je m'occupe bien d'elle avec votre soutien. Voilà, donc je m'occupe bien d'elle, je lui donne à manger le matin comme ça, non, je laisse qu'on fasse sa toilette et puis moi je viens lui donner le repas le midi. Voilà, je ne cesserai jamais de remercier la France, mon pays d'accueil, pour tout le bien que la France, pour tout ce que la France m'a apporté. Parce que la France m'a apporté que du bien dans ma vie. Et je remercierai jamais assez la France pour ça. Voilà. Merci à la France qui soigne sans regarder. Merci à la France. Merci aux infirmières bien formées. Merci au personnel soignant bien formé. Vraiment, c'est réconfortant.
Oui. Mbeng reste Mbeng. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je vois en Afrique, quand tu es malade, les infirmières là ne vont même pas, elles ne te cajolent même pas, elles ne te pomponnent même pas. Elles viennent seulement là. Oui, la facture, il faut la payer, la perfusion, elle est trop chère. Il faut que ta famille paie aujourd'hui, et sinon vraiment, on ne peut plus te donner les médicaments. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Que tu aies ou pas, on te soigne d'abord. Et c'est ça l'avantage. J'aimerais qu'un jour, c'est le rêve, que l'Afrique soit développée aussi. Que tous ces talents d'Afrique qui viennent faire les... viennent acquis des connaissances en France, qu'ils puissent rentrer au pays et mettre en pratique. Parce que j'ai comme impression que les gens font des formations ici, mais quand ils rentrent au pays, ils ne mettent pas en pratique. Je ne sais pas si c'est le manque de matériel ou c'est comment, ou c'est l'environnement, je ne comprends pas. Vraiment, merci à la France. Merci pour ce grand pays. Merci. Oui. Vous allez voir même en Afrique là-bas. L'Afrique, il y a des richesses, il y a tout. Mais quand les personnalités là sont malades, on fait tout, tout pour les soigner en Europe. J'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas confiance. On dirait qu'ils n'ont pas confiance à leurs propres médecins là-bas. C'est ça. Même les faits qu'on entre à tout moment. Et ça va, madame? On va te masser les pieds. Est-ce que tu as mal? Est-ce que... Tu vois, c'est bien, quoi. Vraiment, merci. Non, elle est encore là-bas, je ne sais pas pour combien de temps, mais ce qui est sûr, elle est là-bas. Je vais laisser un message à mon chéri. Laisse-moi faire. Il faut dire que Dieu a fait. Bonjour mon amour, ça va? T'as bien dormi? Ben moi, je suis en train de prendre mon petit café. C'est vrai que j'aurais aimé prendre avec toi. C'est pas grave la prochaine fois. Bisous, chérie, on revient. Il faut mettre la main sur la main, faut. Dieu va faire. C'est comment? Le jour de résultat, les larmes vont couler. Le jour de résultat, les larmes vont couler. Le jour de résultat, maman m'a lancé la toux. Si c'était en Afrique, j'avais dit qu'on m'a lancé. Depuis là, la toux, si. Le jour de résultat, les larmes vont couler. Le jour de résultat, les larmes vont couler. Et bam, bam, bam. Les larmes vont couler. Et bam, bam, bam. Les larmes vont couler. Les gens du Cameroun, nous suivons l'affaire de Martinez Zogo de très très près. De très très près. Nous sommes intéressés. J'ai même appris à lire sur certains murs. Nous sommes tellement intéressés par cette histoire que vous ne pouvez pas imaginer. Nous, on ne dort même pas. Ce soir, nous aussi, on a veillé devant Facebook pour attendre les nouvelles du commissaire du gouvernement là-bas. Ils sont encore au CED, Guizogo et Pangasi. Plus qui là, ils sont encore, ils ne sont plus au CED, ils sont déjà là-bas au tribunal militaire. Donc nous tous, on attend le coupable. Ce qui est sûr, il y aura un coupable. Et chers frères et sœurs, afin que Martinez Zogo soit reposé en paix, que sa famille fasse des obsèques. Nous voulons la justice pour lui. Tout ce que vous allez malaxer là-bas, ce que vous allez malaxer là, là-bas où vous malaxez les choses là, tout ce que vous allez malaxer, nous voulons seulement que le gouvernement nous présente un coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, on attend. On attend, on attend. On sait ce qui est sûr que. Il y aura la banane malaxée là-bas. Il y aura la banane malaxée. On va nous présenter les choses. On attend. Tout ce que vous allez malaxer maintenant là,
le Cameroun, les Camerounais, le monde entier, c'est que pendant que vous êtes en train de vous aboutir dans la bière, dans l'alcool, dans les bars, à boire que le vin, pendant que vous êtes en train de vous aboutir dans la jonc, les choses se préparent au quartier. L'histoire retiendra que certaines personnes au Cameroun ne veulent pas créer leur parti politique afin de se faire élire comme président de la République. Mais ils veulent arracher le pouvoir by force. Oui. L'histoire retiendra qu'il y a des gens qui calculent et tout dit. Propre. Les gens qu'on n'imagine même pas. Ils calculent et tout dit. Ils sont déjà en train de se préparer qu'ils vont que arracher Hoa. Et ils ont déjà les entrepôts là-bas. Avec les ringuinguins déposés partout là. Restez là, vous dormez. On a vu. Buvez. Il y a quoi? Buvez vos bières. Oui, voilà. Quelqu'un est vivant. Le président de la République est encore là. Il est encore président de la République. Mais il y a les gens qui veulent arracher le pouvoir by force. On a vu. Oui. À travers la mort de Martinez Ogonon, même le président Paul Biya va dire que merci. Parce que l'éclaireur, tout le monde a vu. Les Camerounais maintenant qui ne s'intéressaient même pas à penser au demain et au lendemain du Cameroun. Chacun s'intéresse maintenant que donc, on est là comme ça, tel peut être là-bas. Chacun se pose des questions. Après, vous avez dit que les gens parlent de la politique. Ici en France, on parle de la politique. Ici en France, on insulte Macron, même on le gifle. Il n'a jamais tué personne. Oui. Vraiment. On laisse les journalistes faire leur travail. Les journalistes sont là pour informer le peuple. C'est vous qui ne voulez pas les journalistes bizarres là. Les journaleux. Vous voulez les vrais journalistes. Maintenant, si on commence à arracher les vrais journalistes qui donnent les vraies informations, on va faire comment? Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a les voix d'une artiste. Bientôt, ça va commencer à... Il y a les voix d'une artiste camerounaise, une écarteuse de la planète. Bientôt, ça va commencer à tourner partout là. Sachez que même quand on efface, on peut retrouver les voix d'une artiste manioc là. Artiste wolowos, artiste mangeuse de micro, suceuse de plantain, tout ce qui va avec. Oui. Bouffeuse de ntot, tout mélangé. Donc, les voices, quand ça va arriver, on va partager à Google ce qui est sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Vos petits coups bas que vous organisez là, ça fait quoi qui? Je suis une personne réelle, je ne suis pas un faux profil. Même derrière un faux profil, il y a une personne cachée derrière. Donc, quand je suis arrivé sur la toile, je suis libre de donner mon avis et de parler. Amen. Mettez les étoiles partagées. Chers voisins, ce que tu fais avec les ténébreux, chère voisine, ils n'ont du shame. Les remerciements de ça. Ouais, on peut descendre aussi bas. On peut descendre, une artiste de renommée peut descendre aussi bas. Remerciements de ça. Et on fait quoi avec? Tu es passé sur Facebook, on doit parler de toi. Si tu veux, tu mets la corde sur ton cou, tu sautes, tu cales en l'air. Il y a quoi? Donc, quand tu viens parler sur les pages Facebook, on doit te laisser, on ne doit pas parler parce que tu es qui? Il faut voir l'embrouille de ça. Oh, le mbrakata de ça. J'attends les clashs avec rage. Je ne clash pas avec les gens dans le noir, les ténèbres. Moi, je veux des personnes visibles et n'importe quoi. Pas les rejeter.
les rejeter. Moi, je regarde comment je suis belle. Regardez comment je suis rayonnante. Ma vie déjà, ma vie dose. On a dit qu'on n'assume pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Allez-vous bouffer l'entote là-bas. On n'en a rien à cirer. C'est qui est sur la reine, mais reste la patronne des patronnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? Mettez vos portables, vous faites les directs. Et la reine mère, la PDG, la star répond à qui elle veut. La star répond à qui elle veut. Je suis star. Je ne vais pas aller les gens dans le noir qui cherchent à Starmania. Les gens que j'ai reniés. J'ai renié. J'ai dit que je ne connais pas un point, un trait. Le reste là, va même te pendre. Fais ce que tu veux. Je ne gère pas. Je ne suis même pas. Je ne vous regarde pas. Voilà, ce que vous parlez là, ce sont les autres. Je ne vous suis pas. Je ne vous regarde pas. Je zappais mon téléphone. J'ai vu Épercute qui a remercié les ténébreux. Comment elle a publié sur son mur personnel. Pourquoi tu n'as pas mis sur ton mur public? Hein? Flore, il tient la télécommande. Et que je vais aller répondre aux vendeuses de piment ratées, maman. Aux vendeuses de pépé raté. Quelqu'un vend le piment, il dort sur le canapé pourri. On vous a dit que je réponds au genre de... J'ai lancé le défi. On m'a dit que tu ne vas pas traîner à Paris. Je monte et descends, bois mon vin où je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Si je suis calme, ce n'est pas par peur. C'est parce que pour moi, vous êtes rien du tout. Je vous écrase comme des mouches, comme des moustiques. On tape comme ça, c'est tout. C'est pas moi qui vais vous fabriquer. Allez chercher votre fabrication ailleurs. Vous cherchez à s'arrêter derrière la reine, mais parce que la reine, mais c'est la seule fabrication qui déjà, qui donne. Quand elle prononce ton nom, tu deviens star. La télécommande Nahora, Nabalata. Vous êtes jalouse de moi. Jalouse jusqu'à. Regardez comment je suis rayonnante. J'ai laissé la vie de débauche. Je suis dans la lumière. Je suis éclairée par la lumière de Dieu. Un enfant béni aller et retour par ses parents. Vous avez vu comment je m'occupe de ma mère. C'est donner 4 ans ben, à une personne âgée. Et je donnerai mon énergie jusqu'à ce que je ne sais pas. Et je suis fière de prendre soin. Vous êtes là. Vos parents sont où? Je ne vous ai jamais vu même devant la tombe de vos... Les tombeaux de vos parents. Je n'ai jamais vu. Hein. Et certains qui parlent. Quand on n'a pas les chaos, on n'a pas la possibilité d'aller au pays. Quand on a demandé l'asile politique. En tant qu'exilé, qu'on ne peut pas aller au pays, on la boucle. Ou quand ses vrais amis vont au pays, allez. Mais quand on a le Ngunda, qu'on ne peut pas faire le Kotam Kotam, le Kontunata pour aller en Afrique. Quand vous avez donc les amis qui ont les papiers pour aller au pays, mais dites-leur d'aller se filmer avec vos parents et de vous donner. Oui. Oui. Nassau idée. Moi, si j'ai une bonne amie qui dit que ma meilleure, ma tatat, na tatat, j'arrive au pays, je vais aller saluer sa mère et faire les photos. Je vais aller saluer sa mère et faire les photos. Ce n'est pas seulement dans les ténèbres qu'on dit que tu es ma meilleure, tu es ma meilleure. Je vais voir les photos de vos parents vivants. Je vais voir comment, quand vous alliez même au Cameroun, vous asseyez à côté de vos parents. Vous pleurez parce que vos parents sont décédés avec les larmes qui coulaient. Ça veut dire la malédiction. Les larmes, ça veut dire que les larmes de vos parents ont pleuré et vous n'étiez pas là pour les accompagner. Ça vous traumatise. Je suis là, j'accompagne la mienne. Vous êtes jalouse de moi, pourquoi? Vous êtes jalouse de moi, pourquoi? Okowo, elle n'est pas la seule qui a ramené sa mère en bing. Elle n'est pas la seule qui a ramené sa mère en bing. Je ne suis pas la seule. Mais je suis l'une des meilleures qui s'occupe de la sienne. Et c'est ça qui est le goût de ça. Ça vous choque. Quand vous partez au pays, vous n'avez jamais vu devant chez vous. Hein, que non, je suis à la maison. Nanana. Non, vous jalousez. Vous jalousez la jalousie de ça. L'aigreur. Elle montre quoi? Je vais toujours montrer. Amen. Je vais toujours montrer. Vous êtes jalouse parce que je m'occupe de la mienne. Je la cajole. Je la pomponne. Là, je m'en vais à l'hôpital, j'ai pris un petit parfum pour elle. J'ai pris son parfum, le spray pour elle. Je vais acheter ça aux États-Unis la dernière fois, ça s'appelle comment là? Je vois le spray de ma mère.
Voilà. Comme ça, quand on va faire sa toilette, on va mettre c'est Victoria's Secret. J'ai pris ça à des infos aux États-Unis, le spray de mamie. On va lui mettre le spray. Quand on la pomponne, elle est couchée à l'hôpital, elle est propre. Je discute avec elle. Je lui donne à manger. Je reste à côté d'elle. Au moins, elle voit sa fille qui l'accompagne dans ces moments. Ce n'est pas ces derniers moments. Je touche du bois. Mais sa fille qui l'assiste. Quel bonheur peut dépasser ça? Pour construire, j'ai construit les maisons, non? Mais si ça dépasse l'accompagnement, là, ça ne dépasse pas ça. Je vous dépasse. Allez désherber les tombes de vos parents, vous ont dépassé. Il pleut où? Certains sont là quand il pleut. Ne m'énervez pas, hein. J'arrive au Cameroun, je commence à chercher où on enterre vos parents, je filme ça. N'importe quoi. Vous allez partir construire la petite maison là-bas quand? Il faut construire la tombe de ses parents. Ça se construit avec. On met les tôles. On construit. Hein? Et on dépose les gerbes de fleurs. Quand on arrive, on mange avec ses parents. Vous croyez que la Toussaint, si les blancs, les cimetières des Watts sont propres. Quand tu passes le matin au cimetière, les Watts s'asseyent, prennent le café avec quelqu'un qui est décédé. Ils ont les coutumes comme nous-mêmes. Je m'en vais prendre mon petit café avec mon mari, je m'en vais prendre mon petit café avec ma petite soeur. Tu les vois au cimetière, ils sont là comme ça sur les petits bancs. Ils restent, ils causent jusqu'à le soir, ils portent sa chaise, ils rentrent chez lui. Vous allez faire ça quand? Quand on arrive en Afrique, la première des choses, on va saluer d'abord ses parents décédés. On ne vous a jamais vu, hein? Vous filmez que quand on voit. Et seuls les ténébreux qui sont les parents qui sont vivants là. Et vos amis qui vont au Cameroun là, ne vont pas là-bas saluer vos parents. Moi, quand j'avais encore les amis au pays, mes copines que j'avais ici, que quand j'allais au pays, partaient saluer leurs parents. Même si leurs parents sont dans le trou, le crou. J'arrive là-bas pour saluer. Et je ne pars pas bras ballants. Je pars avec quelque chose. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Ce n'est pas l'amitié du aide-moi à détester parce qu'il faut combattre. Quand vous me regardez, je suis un conteneur. Quand vous me regardez, vous pouvez me combattre. Vous pouvez me faire tomber. Non. Bonjour ma belle Julie, Julie, chez la main. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Entre temps, c'est vous qui avez les... Il y a certaines... Oh, franchement, quand je vais commencer les clashs avec vous, ça va barder, hein? Ça va trop barder, moi. Ça va trop barder. Regardez aujourd'hui. Certaines personnes même décèdent. Ils ne veulent pas qu'on les enterre en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas... D'autres n'ont pas confiance à leurs enfants. Ah, ils n'ont pas confiance. Et certains qui se laissent aller abandonner. Mes chers frères et sœurs, on va parler de maman Rachel. Je vous invite massivement ce soir à Lyon pour la veillée de maman Rachel. Maman Rachel, c'est une Camerounaise qui est décédée de suite d'un accident à la région lyonnaise. Donc, sa veillée, c'est ce soir à Bron. Et j'aimerais remercier les associations de Lyon. Parce que c'est les présidents des associations de Lyon pour leur solidarité, pour leur façon d'organiser le deuil de maman Rachel. Merci à toutes ces associations de Lyon qui ont fait une réunion d'organisation pour cette veillée ce soir. J'aimerais inviter les Camerounais et les non-Camerounais, la diaspora, ceux qui seront disponibles à faire un tour ce soir à la veillée de maman Rachel. Il y a les pins qui sont en vente à 10 euros et les foulards. Il y avait les points de vente partout à Lyon. Et ceux qui viendront d'ailleurs. Maman Rachel, c'est une Camerounaise qui était dans les associations. Une personne très solidaire qui était partout. Moi, j'ai eu à la rencontrer une fois. Si ce n'était pas parce que maman est à l'hôpital, je serais allée à Lyon à ce deuil. Mais j'invite massivement les abeilles de Lyon à aller sur place assister. Accompagner maman Rachel. Alors, maman Rachel, c'est une Camerounaise qui vit à Lyon depuis des années, très active dans les associations et tout. Il y a quelques mois, elle est sortie pour aller à un mariage. Elle allait au mariage, toujours dans la région lyonnaise. Je parle comme ça de son accident, paix à son âme.
Elle est partie au mariage, elle a Njoka, tout ça. Et après un moment, elle a décidé de rentrer. Elle a donc pris les gens dans la voiture. Les gens qui voulaient qu'on dépose. Vous savez comment ça se passe entre nous les Africains? Quand tu as la voiture, tu prends les personnes qui n'ont pas de voiture pour les déposer chez eux. Alors, elle était fatiguée. J'attire l'attention des gens, des personnes qui ont le permis de conduire, qui conduisent. J'aimerais vous dire que la fatigue, c'est quelque chose qui se guérit par le repos. Quand vous arrivez quelque part, que ce soit dans une fête, que ce soit n'importe où, quand vous êtes fatigué, ne forcez pas. Quand vous êtes fatigué, ne démarrez pas la voiture pour forcer, pour rentrer. Non. Quand tu es fatigué, même si c'est 15 minutes, tu te couches dans ta voiture, tu dors, tu te reposes même 15 minutes avant de partir. C'est très important le repos. Quand on ne se sent pas capable de prendre le volant, faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Voilà maman Rachel qui a pris le volant. Elle a même traversé le chez-elle. Il y avait les gens dans la voiture. Elle est partie déposer. Elle est partie déposer les gens. C'est comme ça qu'elle est entrée sur l'arbre. C'est même passé dans les journaux, c'est sorti dans les journaux de la région lyonnaise. Elle est entrée en dessous de l'arbre. Donc ça veut dire qu'il y a eu un coup de sommeil et les gens qui étaient dans la voiture, c'est sûr qu'ils dormaient. Parfois, il faut mettre la musique à fond même. Quand vous voyez souvent qu'elle conduit, je mets le volume, je mets la musique. Il ne faut pas forcer. Maman Rachel est entrée sous l'arbre, décédée sur place. Et les autres personnes sont sur... les autres passagers sont en réanimation depuis. Oui, ils sont en réanimation. Et même si ces gens-là sortent, ils ne seront plus jamais. Bonjour, Master Benzinga. J'espère que c'est vraiment lui. La reine met toujours les stars sur mon mur. Aïe, la star mania de ça. Oh, baba, oh, baba. Oh, baba, oh, baba. Malapto, ka, malapto. Les gens. Donc voilà, elle est entrée en bas de l'arbre. Sous l'arbre. Il n'y avait personne en route. Elle est entrée que sous l'arbre. Morte sur. Elle est décédée sur place. Paix à son âme. Et les autres passagers sont en assistant respiratoire, non, sont depuis, ça fait 2 mois. Oui, ça fait déjà 2 mois. La ville de Lyon a décidé de lui rendre un hommage digne de ce nom. Elle a des grands-enfants, son dernier enfant a 12 ans. La dernière a 12 ans, elle a les grands-enfants. Mais seulement, elle avait fait son testament. C'était pas les dernières volontés d'une personne. Quand on est fatigué, faut pas déposer. Quitte à ce que on commence à te traiter que oui, elle a la voiture, elle se vante, elle n'aime pas déposer les gens. Mieux, hein? Tu te couches, tu te reposes. Quand tu es chauffeur, les autres doivent marcher à ton rythme. Parce qu'il y a des personnes que quand tu es chauffeur, ce sont eux qui te mettent la pression, mon frère. Tu arrives quelque part. C'est toi qui conduis, c'est ta voiture, mais les gens commencent à te mettre la pression comme si ce sont eux qui t'ont. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ce comportement. Surtout les Africains. On rentre à quelle heure? Hein? On rentre à quelle heure? D'autres, tu veux rentrer, ils veulent encore rester. Mais il y a les taxis qui existent, on prend un taxi. Mes chers frères et sœurs. Non! Tu arrives quelque part, c'est quand l'onjoka commence que les autres commencent à te dire non, on rentre. Vraiment, j'ai les choses à faire demain. Comme si c'est que tu es leur taxi, non? Parfois, tu as envie de rentrer, les autres, ouais, on reste encore, ouais, pardon, la fête vient de commencer. Vraiment, s'il te plaît, je voulais encore. Et ils se fâchent même, hein, alors que c'est ta voiture. Hein. Comme si payer le transport. Non, ils se fâchent. Non, vraiment, vraiment, sa voiture, qu'on arrive quelque part, qu'on veut déjà faire la fête, c'est où? Mais si tu sais que tu vas faire la fête, tu prends ton taxi, tu vas, tu fais ta fête, au retour, tu prends le taxi. Il y a des gens, quand tu es même fatigué, moi, je suis arrivé à un endroit, je suis fatigué, je laisse la voiture, je prends le taxi, je rentre.
Je n'ai pas dormi. Quand je suis bien, le matin, il vient chercher la voiture. J'avais fait ça, non, le jour de mon anniversaire. Est-ce que j'avais conduit? Non. C'est le matin que j'étais venu avec Dieu éternel chercher ma voiture. J'étais moins fatiguée. Il dit que non, je préfère ma barque. Oui. Oui. Donc, il faudrait que certaines personnes arrêtent de mettre la pression au chauffeur. Ce n'est pas parce que tu arrives quelque part avec quelqu'un que la personne va rentrer avec toi, non? Vous pouvez arriver ensemble. On arrive ensemble à un joker. Mon heure de retour arrive, je te fais signe. Parce que généralement, quand on part à une fête, je veux aussi attirer votre attention pour ça. Quand on est dans une fête qui a l'ambiance, au moment de partir, on n'a pas besoin de dire au revoir. Parce que quand on dit au revoir publiquement aux gens, ça veut dire qu'on veut gâter la fête de quelqu'un. Et il y a des personnes qui n'ont pas ce savoir-vivre là. Tu arrives à une fête au moment de partir, mais va doucement en solo. Tu n'as pas besoin de commencer à dire au revoir aux gens. Vous n'avez pas encore remarqué. Quand on dit au revoir aux gens, c'est comme ça que tout le monde commence à partir. La fête se gâte. Quand on va à une fête, quand ton heure d'arrivée arrive, tu pars. Et puis au téléphone, tu vas appeler les concernés pour leur dire j'étais fatigué sur rendez-vous. Tu ne commences pas à dire au revoir à tout le monde comme si tu étais le président, non? Hein? Tu ne commences pas à dire au revoir comme ça. Non, tu ne dis pas au revoir comme ça. Tu sors en solo. Tu peux parler dans les oreilles des concernés. Quand tu sors, les gens te demandent, tu t'en vas. Tu dis non, je m'en vais aux toilettes. Alors que tu es en train de partir. C'est comme ça que ça se passe. Et pas que les gens vont se dire, elle est partie sans me dire au revoir. Tu dis au revoir par rapport à quoi? On ne dit pas au revoir quand on arrive dans un joker, que ça déjà, que ça te donne, on commence à dire au revoir aux gens. Non, on va en solo. Et après, les gens qui t'ont invité, tu leur dis, non, tu étais rentré. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai vu que les gens, certaines personnes ne sont pas contents. Certaines personnes ne sont pas contents. Je parle des Bamilékés. Hein. Parce que quand je dis Bamiléké, ce n'est pas tout. Moi, je suis Bamiléké. Je suis Yam. Je suis Yam. Vous êtes les Modjans. Moi, je suis Yam. Donc, je m'adressais à la communauté Bams. Parce que maman Rachel était Bamiléké. Elle est une femme Bamiléké. Elle a dit ses dernières volontés. Elle ne veut pas être enterrée au Cameroun. Pourquoi ça fait mal aux gens? C'est son choix. Ici, le blanc respecte le choix. Quand tu as déjà dit que si je meurs, je ne veux pas être enterré au Cameroun, c'est sa décision. Pourquoi la famille gesticule? Pourquoi les gens sont en train de gesticuler comme si c'était du jamais vu? Oh, dans la communauté Bamiléké, chez les Bamiléké, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On enterre qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça là. Il faut aller faire le deuil. C'est sa volonté. Ses enfants sont ici. Tous ses enfants sont ici. Bien qu'elle allait souvent au Cameroun, elle a les soeurs, elle a les frères, elle a les si, les oncles, les tantes là-bas. C'est vrai. Mais sa vraie famille, je ne sais pas si vous les Africains, vous comprenez que la vraie famille d'une personne, qu'en Europe, la vraie famille de quelqu'un, c'est son mari, ses enfants. Quand le blanc dit la famille, c'est toi, tes enfants. Et ça s'arrête là. Les cousines, les machins, tout ça là, le blanc ne connaît pas ça. Ça veut dire quoi? Quand il y a un problème, un décès, si tu es officiellement marié, si moi je suis une femme, je décède, c'est mon mari qui décide en respectant mes dernières volontés. Si je suis célibataire, ce sont mes enfants qui décident. C'est comme ça se passe ici. Ce n'est pas que la famille en Afrique a dit qu'il faut que le corps arrive. Le corps arrive pour qu'on fasse quoi avec? Juste pour manger, non, pour faire le deuil, manger, après on enterre là-bas dans les herbes, on abandonne. C'est pas comme ça. Il y a quoi d'autre qu'ils vont trop faire, qui va dépasser? Moi, je comprends pas. Mais apprenez à savoir que hein, la famille, c'est toi, tes enfants. Ça s'arrête là, ton mari. Ma famille, c'est moi. Mes enfants, mon mari. Le reste, c'est la famille éloignée. Moi, je ne comprends pas les Africains. Vous discutez souvent les corps quand quelqu'un a décidé. Vous n'avez même pas parole. Quand les gens se placent au Cameroun pour discuter le corps en France. Le corps d'une personne que ses enfants sont vivants, mais ça ne se fait pas. Elle a donné ses dernières volontés. Bien qu'elle allait au Cameroun, mais elle a décidé qu'on l'enterre ici, près de ses enfants. Et c'est légitime. C'est légitime.
estimes, c'est normal. Moi, je ne comprends pas les gens. Mais vous ne comprenez pas que quand tu vis en Europe, que tu es ici, tu as les enfants ici, les petits-enfants ici. Tu as des enfants, vous savez, les enfants qui ont grandi, nés ici, certains restent longtemps sans aller au bled, hein, ça ne les intéresse pas trop. On va dire comme ça. Mais quand un parent va se faire enterrer là-bas, les premières années, les enfants vont aller, après ils n'iront plus. Et c'est comme ça que la tombe va devenir la forêt. Vous pensez que c'est les cousines, les oncles là-bas qui vont aller défricher. Ils vont passer le coup de fil ici que, allô, sur la tombe de votre maman ici, les herbes ont déjà tout pris. C'est moi qui défriche souvent tout le temps, tout le temps. Donc vraiment, il n'y a plus l'argent pour défricher. Je suis endetté, venez construire, venez. Les enfants ici n'aiment pas ça. Venez construire la tombe, venez faire ceci. Quand ils pensent à ses factures, mais je vais aller faire quoi? Ils ne vont pas. Donc, sachez qu'on enterre une personne où la personne a décidé. C'est comme ça que ça se passe, mes chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées en Europe. Les familles en Afrique ont réclamé les corps. Et ils n'ont plus jamais été même regardés la tombe. Si tu dis qu'on a enterré tel ou on va fendre la route, on va se mettre ici pour te montrer que tu as vu le manguier qui est là-bas, non? Eux, ils reconnaissent les tombes qu'avec les arbres. Tu as vu l'arbre qui est là-bas, à côté du mangue, il y a un petit palmier là, c'est là-bas la tombe. Mes chers frères et sœurs, ici en Europe, on nettoie la tombe. On nettoie, c'est propre. Tu peux aller là-bas, tu fais même les photos, les selfies. On n'a pas peur des vampires qui se lèvent. Ici, les vampires ne se lèvent pas. Les sorciers, ils sont morts, ils sont morts. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas qu'on se met en route là-bas. On commence à dire que oui, pour reconnaître la tombe, il faut aller tout droit, tu tournes comme ça. Il y a un bananier. Oui, le bananier là. Il y a un petit bananier qui ne pousse pas beaucoup là. C'est là-bas qu'il y a la tombe. Et entre-temps, l'oncle n'entre pas au champ. Hein. Il se met en route, il vous montre le chemin que allez tout droit là-bas. C'est comme ça que les oncles font. Quand c'est le moment de discuter le corps, parce qu'ils veulent faire les veillées, pour qu'on cotise pour partager là, que c'était mon frère. Pendant qu'elle est en bain, vous avez déjà envoyé une bouteille d'arachide de 2500 là que les enfants. Arrêtons souvent les conneries comme ça. Si ma mère meurt, son corps rentre en Afrique, c'est normal, elle a ses enfants là-bas. Elle a ses enfants là-bas. C'est normal que son corps rentre. Son corps ne rentre pas pour... Son corps rentre pour ses enfants qui sont là-bas. Ce n'est que normal. Mais dites-moi, une personne comme cette maman-là qui est décédée, elle a décidé et ses enfants ont dit qu'ils vont respecter ses dernières volontés. Point. Il y a quoi? Elle a décidé et encore, elle a dit qu'on va l'incinérer. Elle a décidé qu'on l'incinère son corps. Les Camerounais ont déjà mis les mains sur la tête. Wow, pourquoi? Mais pourquoi vous aimez poser les questions sur les choses des gens? Elle a dit qu'on va les, on les incinère. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va, mais pourquoi? Oui, merci, je suis belle. Mais pourquoi tu m'appelles tout le temps? Je t'ai dit, moi, je veux pas, non? Pardonne-moi. Je ne veux pas, non, je veux pas de toi. Je t'ai dit, je te présente une personne. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me harceler. Mais trouve-toi une femme en Afrique, voyons. Bon sang. Mais va te trouver une femme en Afrique, bon sang. Mais ta copine qui était... Mais arrête de me harceler. J'ai pas besoin de mariage. J'ai mon... Moi, je veux pas, moi. En plus, tu cherches une femme où tu vas aller habiter. Ça veut dire quoi? Non, j'ai chez moi. Oui, mais tu m'as dit, ouais, trouve-moi une femme, je vais aller habiter parce que tu as envie de déménager, voyons. Présente-moi seulement. Je t'ai dit que je n'ai pas à va chercher où tu veux. Moi, j'ai des femmes en Afrique. Mais, pourquoi tu pleures? à quoi un peu. Aide-toi à trouver une femme, elle va draguer. T'as vécu avec une Ivoirienne, non? Aide-moi. T'as déjà été en Afrique ou pas? Je t'aide à trouver une femme, mais attends, moi aussi j'ai la solitude. Qu'est-ce que tu veux, voyons? Mais pour
Pourquoi tu veux pas de moi, moi? Mais je veux pas de toi parce que je te connais pas, voyons. On va Connaissance. apprendre à faire connaissance. Moi, je te dis, j'ai pas le temps pour apprendre à faire connaissance. Là, j'ai déjà été trompée plusieurs fois. J'en ai ras-le-bol. Si tu as envie d'une femme, je te présente. On va te. Hein? Ben, écoute, moi, je te dis, voyons, j'ai pas besoin. Tu veux une femme? Voilà, tu veux une femme? Voilà. Tu veux une femme? On va te trouver une femme, moi. Regarde. Trouve-toi une femme, passe ton annonce. Tu as beaucoup de femmes africaines, passe ton annonce. Présente-moi celle qui était avec toi hier. Je t'ai dit, non, mes amis sont mariés, moi. Mais celle qui était avec toi hier. Ben, trouve-toi une femme, t'as déjà été en Côte d'Ivoire, non, trouve-toi une vraie femme, voyons. Mais va te draguer, moi, je veux pas le mariage, moi. Présente-moi celle qui était avec toi hier. Mais parce que Présente-moi toi, celle qui était avec tu travailles quoi dans la vie? Dis-moi, dis-moi. Je travaille dans les Dans jardins. les jardins comment? Dans les jardins comment? Je suis maraîcher. Maraîcher, c'est quoi? Les fruits et légumes? Ah, Dans tu les plantes légumes. les fruits et légumes. Oui. Tu travailles à ton compte? Non. Tu gagnes combien par mois? Petit premier. Dans les 1 000 euros. 1000 combien? Presque 1 500. Oui, mais après, quand tu payes ton loyer, à combien? Je paye 400. Tu payes 400 euros de loyer. Il te reste. Donc, tu payes. Attends, on va calculer, voir de quoi tu as à vivre avec. Donc, tu as 1400 euros. Tu payes le loyer à 400. Il te reste 1000 euros. Tu économises combien? J'économise. Tu as combien sur ton compte? J'économise, t'inquiète pas. Oui, mais t'as combien? T'as combien? Tu veux une femme? Il faut bien prendre soin d'elle, voyons. Mais j'en ai. T'as combien sur ton compte? T'as déjà vendu la maison? Mais non, j'ai pas encore vendu. Oh. Écoute, va, trouve-toi une. Tu t'avais une Ivoirienne, trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas besoin, moi. Non. Pardon, mais celle qui était avec toi hier soir. Elle a déjà quelqu'un. Mais je vais bien te trouver. Tu peux payer un billet d'avion aller en Afrique ou pas? Je te présente une fille au bled. Tu vis au Cameroun, je te présente une meuf. Mets-moi en contact avec. Je t'amène au Cameroun, je te présente une belle meuf, tu te maries avec, Mets-moi tranquille. en contact avec elle. D'accord. Ok. Ben, j'espère que tu ne dragues pas toutes les blagues, hein, parce que. Non, non. Et ta maison en Bretagne, tu dis que tu la vends quand? Tu veux vivre en Afrique? Je sais pas, non, pour vivre en Afrique. Ah. Ouais, Il y a mais. trop il y a pas de boulot là-bas. Il n'y a pas de boulot en Afrique. Hein. Ben écoute, il n'y a pas de problème, je vais te trouver, mais arrête de trop m'appeler. Moi, j'aime pas qu'on m'appelle trop, en fait. Tu veux que je te présente une femme? Tu viens au bled, je t'amène en Afrique, je t'amène au Cameroun, je te présente une belle meuf. Tu étais en Côte d'Ivoire combien de fois? Tu étais en Côte d'Ivoire, non? Oui, j'ai été plusieurs fois. Plusieurs fois en Côte d'Ivoire, tu connais les Africains. Hein? Ouais, je vais te présenter une Africaine en Afrique. Ici, toutes celles qui sont ici sont occupées, moi je ne connais pas. Et en plus, tu cherches une femme chez qui tu vas aller vivre. Mais c'est choquant. Attends. Mais moi, j'aurais mangé moi, puis elle aura son chez Ouais, bah son. écoute, ouais. Le problème, c'est que je te présente une fille là, tu vas aller vivre là-bas, machin, tout ça. Non. Si tu me présentes quelqu'un en France, moi, j'aurais mangé moi, puis elle aura son chez elle. Non, moi, je te présente en Afrique. C'est toi qui vois. Moi, j'aurais préféré quelqu'un en Oui, France. mais c'est trop facile, c'est le raccourci, ça. Je te présente quelqu'un en Afrique, au moins, tu es sûr qu'elle vient là pour être ta femme. Voilà, elle est tranquille, la vie n'est pas chère. Mets-moi en contact avec elle. D'accord, je t'envoie le numéro tout à l'heure, ok? Pourquoi tu me fais un bisou? Pourquoi je te fais un bisou? Ben, bisou de courtoisie. Il n'y a pas de souci à ça. Non, c'est parce que tu m'aimes. Eh, Je à quoi? sais. Je sais que tu as quelque chose pour moi. Je sais. Mais pourquoi tu ne veux pas de moi? Je suis pas bien. Je ne veux pas de toi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Regarde, la famille est là. Ensemble. On aurait pu être bien tous les deux ensemble. Ben écoute. Arrête de me prendre en photo comme ça. Oui, je veux que tu trouves ta femme là.
Pardon. Non, ne me prends pas en photo. Ne m'envoie pas sur les réseaux sociaux. Ben, trouve-toi une femme. Il faut que tu aies la chance d'avoir. Pardon. Ben, écoute, je te fais des gros bisous, d'accord? Si tu me trouves quelqu'un en France, tu seras bien récompensé. Mais c'est pas ça le problème, chérie. C'est pas ça. Pourquoi tu m'appelles chérie? Ben, c'est façon de parler. Non, je sais que tu m'aimes. Laisse-moi aller avec toi. Laisse-moi être avec toi. Franchement, je sais pas On si tu peux. Je pourrait sais. être bien tous les deux ensemble. Vraiment. Moi, je. Si, Non, franchement, tu je. seras heureuse. La vente de la maison, je te donnerai. Ouais, Je te là. donnerai. Il y a les femmes qui t'appellent là. Regarde, t'as vu ton téléphone, comment ça. Non, non, c'est pas une femme. C'est qui? C'est inconnu. Je réponds pas à l'inconnu. Donc tu vends ta maison, tu me donnes, tu penses que ça va t'apporter combien? Je sais pas. Le 9, j'ai rendez-vous pour aller Expertiser? évaluer la maison. Le 9, j'ai rendez-vous pour évaluer la maison. Ne suis pas une femme intéressée par le matériel, hein? Franchement. Le 9, j'ai rendez-vous pour évaluer la maison. Et tu penses que ça peut donner combien? Je ne suis pas une femme intéressée par par le matériel. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, elle était évaluée à 500 000 euros. 500 000 euros. Waouh. Attends, ouais, mais attends, elle était évaluée à 500 000 euros, mais depuis ça a augmenté. Ouh. Ça a augmenté. Franchement, ben, ça fait beaucoup, hein. Elle est peut-être évaluée à plus maintenant. Ouais. Ben écoute. Elle est à 500 mètres de la mer. Ouais, après moi je suis pas intéressé par le matériel, moi, franchement. Non. Je sais bien, mais. Je suis pas intéressé. Tu veux te marier, c'est ça? Bah oui. Ok. Ben écoute, le 9, on se voit, il n'y a pas de problème, d'accord? On se voit en partant en Bretagne, on se voit, ok? D'accord. Tu passes à Paris, on se voit, ok? Je te fais des gros bisous. Est belle ta robe. Merci. C'est quoi la photo que tu as sur ta robe? C'est une femme qui est décédée à Lyon. Donc du coup, elle a veillé ce soir. Ah, d'accord. Je Et te... tu vois? Non, je vais pas. J'ai ma maman qui est hospitalisée, donc du coup, Comment ça? je peux pas Comment ça l'aller. va avec ta mère? Elle va bien. Ça va tout doucement, hein. Ta On dit qu'elle est belle-mère. avec l'autre. Oui, ta belle-mère, elle commence à aller tout doucement, ta belle-mère. Ok? On ira la voir. D'accord. Bisous. Tu m'aimes? Oui. Bisous. Tu me rappelles ce soir? D'accord, bisous. Bisous, chérie. Bisous, Je t'aime. chérie. Moi aussi, je t'aime. Donc, pardon, c'est que s'il ne décrochait pas, ça allait appeler, appeler, appeler mes gens. Donc, j'étais en train de vous dire que quand quelqu'un, c'est votre père, enfin peut-être, on verra. Les abos, elle est père, on va trouver sur le bon. N'est-ce pas, l'autre a trouvé sa part de milliardaire. On convertit vente de piolles à 500 colos. 500 colos multiplié par 655. On calcule. Ça fait combien? Imbécile. Moi, j'ai mes kaolos. Donc, moi, je vais être avec quelqu'un qui n'a. Franchement. Mais vous êtes terrible. Oh, vous êtes ici sans papier. Quand tu as les papiers, tu fais le choix. Non, il y a un truc que je ne vous comprends pas. Je ne suis pas une sans kaolo. Donc, quand tu as tes kaolos, tu choisis, c'est toi qui choisis. Tu ne tombes pas sur n'importe qui. Non, j'ai mes papiers, gars. J'ai mon kaolo. Je ne suis pas une leurre des cas. Donc, pour choisir, c'est moi qui choisis celui qui me plaît. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout. Est-ce que c'est que je vais tomber sur n'importe quel clodo comme si je cherchais encore les kaolos? Non. Même quand je cherchais les kaolos, je ne suis pas tombé sur n'importe qui, non. Il n'y avait pas les gens, ils m'ont le propre. Donc, même quand j'étais sans cas,
Combien de fois quand tu as le kaolo? Oh, le kaolo est bien. Kaolo beau. Le kaolo est bien, qu'on ne vous mente pas. Quand tu as ton cas, tu choisis. J'ai mon cas, il peut me lever, m'asseoir n'importe où au soleil, là. Je pointe celui qu'il veut. C'est mon cas. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un du co. J'ai envie d'être marié avec une personne du co. C'est de ça qu'il s'agit. Et votre père sera du co. On cote. Ça, c'est le cotant, cotant. Si on peut cotant, on cotant. Le co de passage. Peut-être la personne me look même sur ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Il m'a payé d'où? Il a sorti, il a pris. Je ne comprends pas. Donc, ça peut être même le cotant, cotant. On cote, c'est tout. On est venu se chercher, non? On cote. Hoa! Donc, j'ai le cas. Quand je vous dis aux filles, quand je vois les gens, quelqu'un est sans cas, il se marie, il est sans kaolo. Moi, je wanda. Qui va alors soulever le bras de l'autre? Deux bras cassés, maman. Deux handicapés ensemble. Hein? Donc, sans cas, se marier avec sans cas. Il y a des gens ici qui sont sans kaolo, ils sont mariés avec les sans kaolo. Je ne comprends pas leur réflexion. Nous sommes au front. Oui? C'est le taclage et le taclage. Ce n'est pas que les watts qui me draguent sont tous les watts bien propres. Pas ceux qui marchent avec la canne à pêche, que la canne est genre là, non? Il y a quoi? Celui-ci, je paye même son billet même. Je l'amène au co, il se marie moi, avec une de mes. Oui, le genre, je paye même son billet. Le billet pour aller au co, c'est combien? Les 500 euros, les 400 euros. J'ai mon kaolo, je dis, je t'amène. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ici en main. Quand vous voyez un watt au pays, là, vous croyez qu'il a dépensé quoi? C'est l'anga même qui a payé le transport. Payé son billet, cherché son visa. Dit, c'est Banque Congo. Parce que les watts pour les bring au co, c'est dur. Ils ont peur. Ils n'aiment pas le co. Ils n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens ici que ce sont. Il y a beaucoup de gens ici qui ont payé eux-mêmes, amené le watt au co. Quand vous restez, vous dites que nos frères noirs sont les gigots. Les watts même là. Nous, on paye les billets, on amène les watoko, plein de ngala. Elles ont ramassé les clodos, elles ont lavé, elles achètent le costume, elles mettent celui-là, elles l'amènent au co. Elles présentent à la famille pour faire le modèle. Elles font même le wat épouse. C'est les Yaoundé qui connaissent le réseau là. Les filles bêtises, je vous salue, les sœurs. Les Modjan, elles sont fortes. Elles ont sauvé leur famille comme ça là. Les filles bêtises, elles ramassent le blanc. Quand tu dis que blanc, si c'est quoi? Elles prennent le blanc. Elles ne sont pas radines comme les filles Bams. Elles prennent le blanc, elles le lavent. Elles achètent les habits, elles mettent sur lui. Elles l'amènent au village. Elles déposent là. Il épouse même cinq de ses sœurs. Elles arrivent ici à main propre. Voilà qu'elle a sauvé une famille. Les filles Yaoundé connaissent le réseau là depuis From. Ben oui. Donc vous croyez que ça c'est. Non, elle voit le watt, elle prend. Un watt comme ça, non, c'est le trésor pour elle. Elle achète le carton de tilapia, elle part, elle dépose. Elle prépare pour lui. Elle ne demande pas que machin. Elle s'occupe de lui. Elle lui propose d'aller au pays. Elle paye son billet d'avion. Elle donne l'argent de poche. Elle arrive au pays, elle commence à le surveiller. Ouais, quand j'avais les. Un jour, je suis arrivée à l'ambassade de France. Quand j'avais les problèmes. Et que l'ambassade de France, j'étais à l'ambassade et tout, on discutait avec les watts de l'ambassade. Et puis quelqu'un a appelé, il était séquestré dans un village. Un watt était séquestré là-bas chez les Yaoundé. Une fille bêtise l'a séquestré. En fait, il était allé au pays par l'amour à distance. La fille mettait que les photos d'une autre personne, c'est jamais ses vraies photos. Quand le watt arrive, elle amène le watt au village. Quand le Watt la voit, le Watt dit que non, il ne se marie pas avec elle. Elle refuse, elle séquestre le blanc, ils vont sauf que se marier. Et c'est comme ça que le blanc appelait l'ambassade de France. L'ambassade est intervenue. Oui, il était séquestré, il dit qu'il ne connaît même pas le village où il est. Il avait le numéro, il a dit qu'il ne connaît pas, qu'il ne veut pas se marier d'elle. Elle lui force. C'est sûr qu'elle voyait tout le temps qu'elle a passé sur Internet à écrire son forfait, à appeler. Donc,
à l'ambassade. On causait comme ça avec les blancs de l'ambassade. Je te dis que j'ai rigolé. Celui qui était chargé de m'accompagner partout, quand j'avais des problèmes, il y avait un Français, non, qu'on avait mis là toujours pour m'assister. Et c'est lui qu'on appelle souvent pour les choses des gens, quand les Français arrivent au pays, ils ont les problèmes, c'est lui qui intervient. On m'avait même dit, donc je partais manger dans les bons restaurants, hein, au compte de la France, maman. On appelait que le blanc l'a séquestré au village là-bas chez les Yaoundé. On l'a séquestré que, oh, que tu vas sauf que te marier. On a sorti les tam-tams et le vin blanc. La fille avait acheté son habit. Le blanc en partie, il avait déjà sa veste. Il a acheté l'habit et tout. Mais il n'avait jamais vu la fille en vrai. Quand il est arrivé, il a vu que c'est une vieille chouette. Quand il a dit que, mais c'est pas toi sur la photo. Non, c'est pas toi. C'est comme ça qu'il parlait au téléphone. Tu sais que les blancs ne cachent pas, non? Non, c'était pas elle sur les photos. Elle a mis, c'est pas elle et tout et tout. Et elle était à côté. Elle parlait le patois, le Yaoundé. Que tu vas sauf que te marier. Oh. Après, le blanc dit, attendez, je vous la passe. Je vous la passe. La femme l'a pris le téléphone. Même si j'invente, c'est pas grave. Donc, elle a pris le téléphone, non. Même si j'invente, c'est bon à écouter, non. Je ne mens pas. Hein. Ma femme ne ment jamais. Ma femme ne ment jamais. Il est quelle heure? 10h50. Ok, j'ai encore le temps. 11h30, je pars. Donc, maman, c'est comme ça que le blanc là, alors passer au téléphone à la femme là qui lui force le mariage là-bas. Elle, c'est mon mari, c'est mon mari. Et c'est comme ça que le colonel lui dit que, ben, il n'est pas obligé de se marier. Déjà, pour vous marier, vous devez passer ici à l'ambassade, hein. Elle dit que non, c'est mon mari, j'ai déjà tout organisé, il va m'épouser. Il arrive ici, il voit d'autres filles, il veut déjà tomber amoureux des autres filles. C'est moi qui vais épouser. On lui a dit que ce n'est pas obligé qu'il vous épouse et vous ne pouvez pas vous marier sans passer par l'ambassade de France. Est-ce comme ça qu'on demain que le blanc là se trouve où on allait le sauver là-bas? Il a dit qu'il part quand même. Pardon, quand vous amenez les watts au pays là, il faut les suivre parce que les gens là, ils glissent comme le gombo, prêts à tomber amoureux de quelqu'un qui ne connaît pas. Vous connaissez ce que j'avais eu avant, non? Sur Goku avait un watt là. C'était un faux dragueur, what, comme ça, on est go. Maman, il partait chez vous fumer un banga là-bas en ville, hein, je ne connaissais pas. C'est comme ça qu'il est. ça va. On ne parle pas l'autre là. Bon, mes amours, je pars ou bien on reste encore tapé au divers. Donc, maman. Donc, on continue alors avec le deuil de ce soir. Tu savais qu'on parle, on saute, on revient encore. Non? Ouais, Mafo, quand tu n'es pas là, on te pleure. Mafo ne mange jamais. Donc, j'étais en train de dire que la qualité de Watt, si tu le laves bien, ce qui m'énerve, c'est qu'il veut déjà habiter avec moi. Il habite quoi avec moi? Il le connaît où? On se voit d'abord. C'est un breton ou c'est breton? C'est comment? Mafo dit, tu vois, Mafo ne mange jamais. La télécommande. C'est de ça qu'il s'agit. La seule, ça veut dire qu'une blogueuse qui donne la joie. Regardez comment mon cœur est pur. Je ne ressens pas la haine. C'est pour ça que les gens m'aiment pour mon naturel. Pourquoi les gens veulent, pourquoi vous voulez absolument qu'on me déteste? Regardez comment je parle, ça coule comme l'eau de roche. Les gens sont contents de m'écouter avec leurs écouteurs. Les gens n'ont même pas envie d'aller au travail. Ils ne veulent même rater rien de ce que c'est l'amour que j'ai pour mon prochain. Parce que je suis une fille qui est amour. Je suis adorable. Je suis une bonne mère. Je suis une bonne femme au foyer. L'homme qui va m'épouser, vous aurez des nouvelles. L'homme qui va m'épouser, vous aurez des nouvelles. Parce que je m'occuperai de sa mère comme je m'occupe de la mienne. Je ne veux pas être comme certaines femmes. Quand elle part mariée, elle demande d'abord si la mère du gars est à mort. Oui. Parce qu'il y a certaines vieilles chouettes là. Elle veut bien aller en mariage, mais elle demande si au gars que ta mère vit encore ou bien les Hadaï. Non, pourquoi? Je suis celle qui va s'occuper de sa belle-mère comme sa propre mère. Parce que l'exemple vient d'abord de la mienne. Tu ne peux pas t'occuper de ta mère et tu ne t'occupes pas de ta belle-mère. Ce n'est pas possible. Regardez comment quand je parle, les gens sont heureux, heureuses de m'écouter. Oh, Flore, il dit quoi de bon? Chacun a sa place et son blog. Moi, mon blog, c'est le divers et les blessés de guerre. D'ailleurs, l'émission blessés de guerre, c'est dimanche. C'est ce dimanche, blessés de guerre. Ça dit que droit de réponse depuis les États-Unis d'Amérique
à une femme au Cameroun qui est venue se plaindre ici. La PDG TV ne prend pas parti. On a décidé que le gars va s'exprimer. Il va donner sa version des faits ce dimanche à 20h. Blessé de guerre. C'est de ça qu'il s'agit. On a trop de problèmes. On a trop de dossiers. Je pense que blessé de guerre, on va même faire l'autre même demain. Ou bien même ce soir même. Parce qu'il y a trop de dossiers là. Ça s'accumule sur la table de la reine mère. J'ai trop de dossiers accumulés sur ma table. Je ne sais pas si les sous-traitances d'en face, ils veulent un peu quelque chose sur ça. Mais ce qui est sûr, chez la MAFO, c'est toujours sucré. Même le divin est toujours sucré à entendre. MAFO connaît raconter comme si elle était là. Ce qui est sûr, c'est ça. Et quand elle parle, on a envie de l'écouter. On ne sait pas pourquoi. Elle a le camp formé naturel. La seule blogueuse qui a le charme naturel pour ses fans. Quand tu me regardes la première fois que tu me détestes, tu commences à me regarder toute ta vie. C'est le camp formé. Le charme de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le blessé de guerre de la MAFO reste le blessé de guerre de la MAFO à vie. Quand tu racontes ton histoire ici, même papa Paul Biya assis et tout dit, maman Chantal Biya, écoute. La seule télé que la première dame regarde, c'est moi. Sous ce sur, depuis et tout dit. Je ne vous ai pas raconté la dernière fois que je suis partie. La dernière fois, je ne vous ai pas raconté comme j'étais au Hilton. Il y avait l'Ancham là-bas, Vemba était en train de... Ils étaient en train de chasser une fille là, qu'on a caressé ses noyaux, jusqu'à la fille pleurait, une fille arabe. Elle m'a dit que MAFO, allons, c'était l'étage 9. Il y avait l'anniversaire de la femme, de la belle fille de la première dame. J'étais au Hilton, ils étaient au 9e. J'étais au 10e. Je suis allé boire mon vin au 11e. Quand je descendais, que je suis allée d'abord tourner au Njoka dehors, quand je rentre au Hilton, je vois seulement une belle fille là, comme ça, nombrine, percée, elle était là, positionnée. Elle dit que la reine mère, les filles là m'ont chassé là-bas, que j'ai caressé les noyaux de Vemba. Elle m'a dit que allons, tu les filmes et passe à Facebook. Et ton vu, on sait que tu es là. Parce que quand ils venaient fêter l'anniversaire, ils étaient dans les grosses 4x4 là. Ils ont dit que voilà, Fleur de Lys là-bas, c'est la reine mère et tout et tout. Donc ils savent que tu es ici. J'ai dit que maman, je n'ai pas moi la force. Oh. Je ne peux pas aller filmer. Elle a pleuré, elle m'a raconté son histoire. Que fais le direct sur moi. Elle a dit qu'elle est l'amie de Sandra. Depuis 25 ans, ils ont marché ensemble. Et qu'aujourd'hui, elle a choisi Coco Emilia, elle. Elle dit que Nasso, mamie, je ne connais pas alors les noms comme ça. On va alors faire le, ça comme. Elle dit que lance seulement le direct là maintenant. Les filles là vont tomber dans ce songo. J'ai dit que maman, je n'ai pas la force. Elle a pleuré sa part là-bas jusqu'à... Je l'ai mise même dans le taxi. J'ai dit que maman, il y avait Yango. Yango là. Mais c'était bien un Yango là. Vraiment. Trop bien. Tu prends ça, viens jusqu'à la maison. Tu te déposes dans la chambre. J'ai dit que non, pardon. Tu habites où? Elle a dit que les riches habitent Bastos, non. J'ai dit que maman, j'ai dit à Yango là que pardon, dépose là. Tu sais que je suis Fleur de Lys, non. Il faut qu'elle arrive. Tu l'as jusqu'à elle entre dans le portail. Parce que j'ai filmé la plaque de ta voiture. Je ne veux pas entendre que comme c'était une blanche, ça a fait que elle est algérienne. C'est comme ça qu'on l'a déposée chez elle. Oui. Mes chers frères et sœurs, on revient à nos moutons. Je disais que ce soir, aller massivement à Lyon pour le deuil. Et que nous, les Bamilékés, on doit respecter les volontés, les dernières volontés. Des gens. C'est pas parce qu'on est Bamileke que ça veut dire que machin, tout ça là. Maman Rachel, père à son âme, est décédée, a décidé qu'on incinère son corps. Dernière volonté. Elle a une fille mariée, un médecin. Elle a ses enfants, sont bien positionnés. Mais elle a dit que sa volonté, on l'incinère et on dépose là où ses enfants vont souvent voir, ici en France. C'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va respecter. Que les Bamileke arrêtent de s'énerver contre ça. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous laisse, non? Je vais encore parler de quoi? Maman, le sujet est fini. Rendez-vous ce soir, non? Allez massivement. Je vais encore parler de quoi? Hein? On va encore parler de quoi? Pour finir ce direct,
Ça fait combien de temps que je suis en direct là? S'il vous plaît, ça fait combien de minutes? Dites-moi, je pars. Mon bébé, mon amour. Mon cœur, tu passes une bonne journée. Je pense à toi. Je pense à nous. Je me vois déjà tourner dans la maison en petite tenue là, pour toi. Je te fais des gros bisous, chérie. À ce soir. Je t'aime. J'ai dit qu'à l'heure, si. Hey, maman, les mains. J'ai dit qu'à l'heure, si. Mets le clop. Maman, je fais comment? Le sujet est fini. Pourquoi? Appelle le roi, c'est lui qui paye mon truc. Maman, pour finir ce direct, je vais mettre... Oh, non, je ne peux même pas. Oh, j'allais mettre un truc là, mais ça va. Le soir, non, rendez-vous le soir. C'est le truc du deuil. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Tu nous laisses, oui, je vous laisse mes cœurs. Coucou la lionne, bonjour, ça va chérie? Ça fait une heure. D'accord, mais que on a les sujets et c'est ça qui manque. Je voulais seulement dire aux jaloux que, aux gens qui me jalousent, que, qui parlent de moi, qui mal parlent de moi, partout là, que j'en ai rien à foutre d'eux. Et leur dit que il n'y a personne qui va me combattre, que wow, Flore ne va pas aller à tel endroit, on va la boycotter. Il n'y aura pas ça. Parce que moi, je suis d'abord forte. J'ai dit que même si c'est les dents, je vais arracher les noyaux de quelqu'un avec mes dents. Rendez-vous à quand le 25? Oui, j'ai ma tournée américaine qui commence là. Oui. Dans les conneries que les gens parlent, qu'on va faire ceci à Flore, il n'y aura pas ça. Laissez, il n'y a pas que Flore parle parce qu'elle ne veut pas qu'on la boycotte. C'est quand quelque chose est fluide, je ne force pas. Je ne fais pas le forcing. Certaines personnes forcent la Samaya, moi je ne force pas. Ma Samaya, c'est moi qui tiens la télécommande pour la téléguider où je veux. Arrêtez la haine. Vous m'en voulez pourquoi? Vous m'en voulez pourquoi? Mais allez vous faire aimer par votre comportement, par votre façon. Et je ne force pas, je ne joue pas au fond. Je suis quelqu'un, je suis naturel. Et les gens aiment mon naturel, c'est ça. Les gens aiment qui je suis parce que les gens se reconnaissent en moi. C'est quoi le problème? Oh, on va la boycotter. Qui? Vous allez commencer où? Et finir comment? Pour cette histoire-là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis en train de supplier quelqu'un? Parce que c'est que je n'ai rien à me reprocher, que les gens inventent sur moi. Ils font des clans pour me combattre. C'est des clans. C'est des aide-moi à détester. Donc, je n'ai rien à foutre d'eux. Tout ce qu'ils racontent là, les plans du village, les organisations qui vont me combattre là. Tout ça quand le 25 mars, aux États-Unis, à Paris, à New York, partout, je vais aller, je ne m'en cache pas. Quand je vais que je ne me cache pas, les conneries, oh, sois discret, je ne suis pas discrète, je suis star. Pourquoi? Le jour qu'on m'agresse, vous voyez en plus, sur Facebook, vous voyez comment on est en train de m'agresser. Pourquoi je vais me cacher? Pourquoi je ne veux pas dire où je vais? Je n'ai rien à me reprocher. Les gens sortent de nulle part pour commencer à raconter des conneries. Est-ce que pour s'indigner, on a besoin que quelqu'un t'appelle pour dire indigne-toi? Non. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Ce n'est pas le force. Je ne force pas. Je ne force pas. C'est quoi? Bisous, non. Bisous, mes chéris. Bonne journée. À ce soir.